La Havane, 1988, aéroport José Martí. Et qu'est-ce que je fous ici ? Et bah comme tous les membres d'Asphodel, c'est le retour au plateau pour préparer le voyage des comédiens. Une pièce écrite par Joël Nivard. Ce devait être la dernière idée. Et il y en a eu d'autres. Qui peut dire s'il n'y en aura plus ? Celle-ci, c'était celle de nos grands-pères. Sylvie Nivard a choisi de relancer son travail avec Asphodel après le décès de Joël, son époux, l'an passé. Je me suis beaucoup interrogée et tout, mais j'avais quand même envie de reprendre. Et donc là, on reprend un de ses textes qui avait été écrit en 1997 et qu'on avait monté en 98. La révolution a 30 ans. Les palmiers sentent la Caraïbe, l'âme. Les carters des antiques Chevrolet ou Buick fument de partout. La Havane empeste la gasoline. Les gringos ont le regard pâle et le muscle mou. Les voitures ont 40 ans d'âge. Elles toussent comme des vieilles putes effondrées sur le divan élimé d'une république bananière. Une chaleur tropicale. C'est l'histoire d'une troupe de comédiens qui arrive dans un théâtre, qui débarque dans un théâtre et qui va raconter l'histoire du siècle. Comme eux l'ont senti, comme eux l'ont vécu, avec leurs émotions, c'est pas une leçon d'histoire, c'est comme eux ont ressenti. Donc effectivement, on commence en début de siècle, de 20e bien sûr, par la guerre de 14-18. Oh, mais que toi, rien ne sert à rien, jamais. Oh, c'est vrai que tu es défaitiste, tu ne crois à rien. Si, mais je ne crois en rien, ce n'est pas pareil. Mais qu'est-ce que ça peut foutre ? De toute façon, rien ne rime jamais avec rien, alors... Et ça finit tout à fait à la fin du siècle, avec tous les grands événements qui nous ont émotionnellement touchés. Aquí se queda la clara. Et parce qu'Asphodel ne se moque pas du monde, la musique est jouée en direct. Ça ajoute un petit peu de complexité, mais ça rend le spectacle plus vivant, comme il doit être. Et puis c'est aussi un petit peu courageux, parce que c'est facile d'appuyer sur les boutons, que la musique démarre au bon moment, s'arrête au bon moment. Voilà, ça rajoute du jeu. Au fil du siècle dernier, il y a des chansons qui collent aux événements. Et donc, effectivement, c'était mieux qu'on puisse les interpréter plutôt que d'envoyer un disque. Comandante Che Guevara, qui se queda la clara, la entrañable transparencia de tout.